J'ai vécu 15 ans dans ce quartier, 15 ans de vraie vie, de bonheur, mais je suis surtout content de venir parce que je vois qu'il y a une fête qui ressemble tellement à ce quartier, avec de la diversité. Et il n'y a rien de plus qui me peinait que lorsque j'entendais qu'au Jas, eh ben, il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait pas de vie. Les Jas étaient réservés aux faits divers et aux mauvais faits divers. Eh bien non, voilà, il y a ça. Ça me fait, sincèrement, ça me fait plaisir. Je suis venu alors que j'ai une autre invitation, mais je suis venu vraiment faire un crochet parce que je voulais voir ce théâtre de verdure rempli de personnes avec des couleurs, parce que la couleur c'est la vie, la musique, etc. Oui, ouais, c'est sincère de voir ça. Je suis ravi pour ce quartier. Alors ça ne fait pas tout, la musique, ça ne donne pas de l'emploi aux gens, ça ne donne pas de la sécurité aux gens, ça ne donne pas de la reconnaissance aux gens, mais ça donne, voilà, ça donne un moment de bonheur. Et dans cette vie quelquefois misérable, c'est bien de se payer du bonheur. Moi, je suis dans l'opposition à Aix, mais je veux le dire ce soir, je pense que la mairie a une bonne idée de donner l'autorisation que le zigzag revienne ici. Ça n'était plus le cas depuis plusieurs années, ça avait été le cas depuis 1998 et jusque, je crois, en 2006. C'était absolument formidable pour le quartier. Moi, je regrettais que depuis 2006, il me semble, le zigzag ne puisse plus se tenir ici. Donc, il faut le dire quand ça va bien, je suis heureux ce soir que le zigzag se tienne ici. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Bon, ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais quand on voit toute la jeunesse qu'il y a là autour, on comprend parfaitement que ce festival vise juste et s'adresse à ceux qui attendent des événements de ce type-là. Et je dois simplement dire que je suis très fier que le Conseil Général accompagne financièrement à une bonne hauteur cette manifestation, parce que c'est pour notre jeunesse. C'est pour le bien du quartier, c'est pour le bien de la ville d'Aix. Il en faut pour tout le monde. Et il faut qu'il y ait des différentes programmations. Celle-là, elle est importante parce que, contrairement à ce qu'on pense, les musiques actuelles, elles ne sont pas réservées aux jeunes. Elles sont, d'ailleurs, on le voit, il suffit de regarder le public qui va quand même dans les âges relativement avancés. Et c'est les familles. Et ce que je crois, c'est qu'en plus, on a la chance qu'il fasse très beau. On est en plein été. Moi, il faut qu'on ouvre les espaces publics. Il faut que la vie reprenne au cœur des espaces publics. Sinon, les gens, ils viennent dormir chez eux, ils s'enferment et finalement, ils finissent par se disputer ou se haïr. C'est un retour aux sources et puis c'est un retour dans un écran naturel, d'une certaine manière. Et c'est formidable, on espère vraiment qu'ils vont y revenir chaque année, quoi. Sincèrement, c'est un vœu que je partage, je pense, avec le maire du Jas de Bouffon. L'animation du territoire, l'animation culturelle là sur le théâtre de verdure ce soir, il y a un exemple concret, quoi, ça fonctionne. Bien sûr, et moi je sais que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est faire de l'animation peut-être un peu plus toute l'année aussi, mais le zigzag a toute sa place ici. Il faut, je pense, qu'ils reviennent ici, véritablement, quoi. Pendant quelques années, ils sont partis. Bon, il y a eu d'autres expériences, d'autres aventures qui ont été belles, mais je crois qu'ils ont manqué au Jas de Bouffon et qu'aujourd'hui, le Jas leur montre combien il est heureux qu'il soit là.